Bienvenue à tous sur Staff Live, ça fait quelques temps que j'ai pas joué à DC Universe Online et je me suis dit qu'il était peut-être temps de boucler la boucle, c'est-à-dire vous montrer un peu les dernières parties des vidéos que j'avais envie de tourner pour arriver à mes fameuses 10 vidéos sur le sujet, et je pense que j'aurais fait un peu le tour de ce que j'avais envie de montrer de ce MMO. Bon, par contre je suis un peu paumé dans mes quêtes, il faut juste que je me rende à l'hôpital de Métropolis Générale. Voyons ce qui s'y passe. Sans doute encore des affaires de Lex Luthor. Ça y est, je me suis fait aggro par Bizarro. Pendant que je faisais mes quêtes tout tranquille. Heureusement que Bizarro, il est un peu en mode. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Car tous ces boss là, Bizarro et compagnie, c'est des grands boss. Enfin, des grands boss. Qu'on peut faire en coopération. J'ai oublié comment c'est un petit peu chiant ces quêtes là. Bon, c'est pas que c'est chiant, c'est qu'elles sont un petit peu répétitives. Elles se ressemblent toutes ces quêtes. Buter des mobs, comme dans tous les MMO en fait. Buter des mobs, rapporter ci, rapporter ça à un PNJ. Je peux plus vous supporter. Ouh, il est marrant comme perso. Faire le mien, mais c'est que je vais emmener là-bas. C'est vrai que je pourrais voler, hein, je suis un peu con. Alors, essayer de tracer plus que deux métapatients à la con. Tu vas payer pour les expériences que tu m'as fait subir. Ouf, salut. Allez, une petite patiente. Je suis spé glace, hein, je fais pas non plus de dommages de fou. Je pense qu'il y a d'autres héros avec d'autres spé qui font bien plus mal. Toi, tu viens toi. Recule. Si je te tue, tu ne hurleras plus jamais dans ma tête. Je suis touché. Ce serait mieux au sol. Allez, encore un après. Toi, espèce de minable. Voilà, ma quête est finie. Terminée. La LexCorp a implanté des mouchards dans le corps de tous ses cobayes métahumains. Son poste de suivi se trouve sur le toit de l'hôpital. Ok, j'y vais, Superman. Et provoque une surcharge de la station pour que ces gens puissent s'enfuir. Ok, je vais sur l'hôpital. Désactive le système de brouillage. Passons aux choses sérieuses. Oula, toi tu vas pas me casser les couilles là, avec tes méthodes dégueulasses. Je suis touché. Je vais te lancer mon CD dans la gueule. Voilà. Ça c'est fait. Et toi, pareil, même tarif. C'est bon. Ok là. Oh putain, il faut que j'en sorte de n'importe où quoi. C'est bon, là, je... Même si ça spawn toutes les deux secondes, ça va pas le faire. Il est tombé. Allez. Dans voilà. Cette station de surveillance, cool, Lex va devoir poursuivre ses patients. Véhicule d'assaut de LexCorp. Ses troupes, elles ont des choses plus graves sur les bras pour l'instant, comme nous affronter par exemple. Alors, il y a des gladiateurs de merde qui vont me saouler. Toi, espèce de minable. J'espère que les héros te font ta fête. C'est combien de véhicules? 5, ok. Recule. Ouais, tu es là. Si en plus il y a des connardos à côté. Toi, espèce de minable. Un des seuls regrets qu'il y a un peu dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas une grande variété au niveau des coups et des combos. Enfin, à mon niveau en tout cas,
quelque part plus tard, c'est mieux. Allez, dégage, s'il te plaît, tu vas me péter les couilles. Hey, toi tu vas me lâcher direct. Je suis touché. Voilà, merci. Donc c'est vrai que la barre de compétences avec que 3, enfin, 3 grosso modo 3-400 actifs, c'est quand même très peu. Trop peu pour moi en fait. Pour un MMO, je trouve ça trop peu. Même si c'est un MMO action. C'est trop peu. Ah, c'est tranquille les bagnoles hein. Alors, elle veut pas, mais on peut la balancer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Le véhicule a rollback de l'autre côté. Je suis touché. Toi, espèce de... C'est comment, c'est les 4? Ah oui, c'est une sorte de truc de ouf. C'est un truc de psychopathe, mon CD4 qui met plus de temps à recharger déjà. Ici Lois Lane pour le Daily Planet Live. Lex Luthor a annoncé aujourd'hui que la nouvelle aile méta-humaine de l'hôpital Métropolis Général, fondée par la LexCorp, sera aussi entièrement composée de personnel de la LexCorp. Malgré les protestations s'élevant de nombreux groupes de protection des droits de l'homme, l'aile reste... Ici Lex Luthor. Vous venez d'interrompre des recherches qui aurait pu aider un nombre incalculable d'êtres humains. C'est marrant, j'y crois tellement pas. Vous semblez préférer cet extraterrestre de Superman au progrès de l'humanité. Aussi n'espérez aucune pitié. J'y crois tellement pas ce qu'il nous raconte Lex Luthor. Désolé. Oracle bloque les communications en provenance de Lex et de ses opinions superflues. Et un truc là. Pour le moment, Supergirl a besoin de ton aide pour sauver les méta qui restent à l'intérieur. Arrête le responsable pour qu'il soit jugé. Luthor pour la LexCorp. J'envoie une partie de nos nouveaux alliés en renfort pour maîtriser nos cobayes. Ah, j'oublie. Je sais que le docteur Psycho est toujours à l'intérieur en train de régler notre problème kryptonien. Ne vous donnez pas la peine de le sortir de ce mauvais pas. T'inquiète pas mon gars. Je vais quand même aller faire la mission de Superman. Bon, j'ai rencontré Monsieur Psycho, ou le docteur Psycho. Le mode casse-couille, activé plutôt. Journal du chercheur en chef. Okay. Toujours mettre des gants isolants lorsqu'on manipule des échantillons cryotechniques. Et c'était ouvert tout à l'heure, non? Ou j'ai rêvé? Peut-être qu'il va me casser les noix, l'autre. Quoi faut faire? Rien. Ouais. Ouh. Du stuff, c'est bon que j'ai pas regardé dans mon sac si j'avais du stuff. Dès que je ferai un petit break tout à l'heure, je regarderai s'il y a quelques pièces que je peux équiper. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Ok, je m'en fous un peu de ta vie en fait. Putain, mais quel chieur. Alors, si je peux pas sortir de la salle... Ouh, ça va me tuer. Allez, allez, tout doit disparaître. Je prends mon CD5. Ouais, il a pris, là. Hop, tu me vois. Hop, tu me vois plus. Alors, attends, non, je te vois, là. Quelle casse-couille. Bateau sur l'eau. C'est un gros cinglé quoi. Je te vois. Pas assez de dommages pour c'est pas trop chiant. Connardos. Bouge de là. Bouge. Bouge de là. Non, je bouge pas de là. Je te trouve avant. Oh mais il est où quoi? Il me met un coup, je le vois pas. Coucou, je te vois. Si je te vois, connard.
bossu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Ok, il a pris la chute. Et là, bon, oui, c'est là. Parfois, je me dis que je ne suis pas assez long. Tiens. Il est temps d'y remédier. Quoi? Tiens, allez, et si j'étais plus long? Oh non, déjà, un, c'est chiant. Plaf la belette, c'est ça qu'il a dit? Ou paf la belette? Quel feu d'artifice! Attends que j'ai mon gros CD. Quel bonheur! Je crois que je pourrais exploser de joie. Allez, on va rien. Désolé de te gâcher ton plaisir. Viens, ma poule! Tu prends pas trop cher là? Ça a pu rester beaucoup. Et boum, elle explose. Ah, je crois que c'est vrai. Oui, parce que les autres c'était marqué hallucination. Allez, on donne tout. Y'a le feu au lac. Y'a le feu au lac. Les puissants. Tiens, le docteur en lac con. Non, et voilà. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être moi. De quel droit oses-tu? Tu crois que tu peux me juger comme ça? Tiens, prends donc ma place. Quoi? Un jour, tous ces héros seront mes esclaves. Mais toi, tu vas mourir aujourd'hui. Il a fait quoi là? Ah oui. Alors, sortir mon CD là. Donne-moi la force. Je crois que c'est bon là. Il reste juste le super gear là. Je vais poter le train. Ah, le gros CD il fait vraiment mal hein. C'est pas juste la déconne hein. Ça fait vraiment mal hein. Paf la belette, c'est ça. Ok. Quel feu d'artifice! On se débarrasse des illusions. Mais je sais qu'il est pas loin. Waouh! C'était du rapide! Journal du chercheur en chef. Ce n'est pas aussi dangereux quand c'est séparé de son propriétaire. Quel bonheur! Je crois que je pourrais exploser de joie. Oui, maintenant, c'est toi que je vais exploser. Oh putain, il est chiant lui. Je fais toujours aussi peu de dommages. Ah là, ça va mieux. Là, il prend plus cher. Un petit peu coincé, Coco, là. En fait, il prend pas trop avec ma hache. Il prend surtout avec mes pouvoirs magiques. J'en ai pensé avant. Désolé de te gâcher ton plaisir. Lâche-moi. Et boum, elle explose. Voilà. Je vais faire. Comment as-tu réussi à résister à mes illusions? Je suis trop fort. Bon, fallait libérer Supergirl là. Voilà, super girl. Oh, merci.
Docteur Psycho m'a affaibli avec de la kryptonite. Ah, c'est pour ça. Et m'a enfermé dans cette cage rouge. Je crois même qu'il m'a prélevé du sang. Je dois aller parler à Cal. Enfin, je veux dire, à Superman. Merci encore. On reparlera lorsque je me sentirai mieux. Ok, bon, ça c'était fait. Bon, je m'attendais à une petite cinématique, je suis un petit peu déçu. Lex devra s'expliquer pour ce crime. Il n'y a que lui pour... Pas la voir ? Vous voulez voir le monde comme je le vois ? C'est facile ! Représentez-vous tout ce que vous désirez, mais ne pouvez pas avoir. Et multipliez ça par 10 000. Tout le monde se moque de vous. Vous pousse à bout. Jusqu'à ce que vous preniez le pouvoir et les forciez à vous donner ce que vous voulez. Luthor le sait. Bientôt, ils sauront tous. Et quand j'aurai ce que je désire, je serai le seul à rire. Sauf que t'es tombé sur moi. Voilà. Je lui ai pété sa gueule. Bon, maintenant c'est fait.